Bonjour, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du Q&A. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, j'espère que vous allez merveilleusement bien même. J'ai pas mal de questions aujourd'hui, des questions assez profondes, donc on va se lancer directement. Mon voisin fait encore des travaux, donc j'espère pas de perceuse, mais vous étonnez pas si vous entendez des petits bruits bizarres en fond. C'est certainement lui ou mon chat. Mais voilà, je m'en excuse d'avance. Je vous demande par avance de m'excuser plutôt. Ok, allez, la première question, on a comment vivre. Alors, la question est très longue, je préviens déjà, mais elle est super. Donc, comment vivre en ligne avec les yamas, surtout par exemple Asteya et Satya, sans s'enfermer dans l'absolu? On est humain, il y a des dérives, il y a des moments où on a besoin de décompresser, de perdre du temps dans son fil Instagram pour se relaxer. Il y a aussi des moments dans la vie où on ne peut pas vivre en ligne à 100% avec nos valeurs. Par exemple, faire un job qui n'est pas en ligne avec nos valeurs, mais que financièrement, il n'y a pas d'autres possibilités en ce moment. Et dans ces cas de dérive, comment tout de même vivre en ligne avec Ahimsa, la non-violence, et arriver à ne pas s'auto-flageller pour cette dérive humaine? Alors, comme je dis, j'adore cette question, et je pense que tu y as déjà partiellement répondu, en fait. Parce que les yamas et les niyamas, ce ne sont pas des dogmes, des règles absolues qu'il faut suivre à tout prix. Personnellement, je les vois plutôt, et c'est comme ça qu'on me les a inculqués, hein, c'est pas juste moi qui ai décidé, mais je les vois plutôt comme des directions, comme une intention. Et pour moi, vraiment, l'important dans la façon dont on se comporte, c'est toujours l'intention. Avec quelle intention est-ce qu'on fait quelque chose? Si notre but est effectivement d'atteindre l'illumination, l'éveil, samadhi, le nirvana, ce que vous voulez, on devrait certainement vivre une vie monastique dans l'Himalaya et se retirer de la société de consommation pour aller méditer toute la journée. Effectivement, si on veut atteindre l'éveil, ce sera beaucoup plus simple de se retirer de la société, de quitter notre famille, notre travail, et d'aller vivre dans les montagnes, dans la pauvreté, et de méditer toute la journée. Mais réalistiquement, pour la majorité d'entre nous, l'idée c'est surtout de trouver plus de sérénité au quotidien, tout en continuant à faire partie de la société. C'est pas vraiment, voilà. C'est plutôt ça. On peut se dire, ok, comment est-ce que je peux être plus serein au quotidien? Comment est-ce que je peux vivre en ligne avec mes valeurs et me sentir bien dans ma peau et dans mes baskets? Mais toujours, voilà, toujours être humain, effectivement, toujours faire partie de la société. Donc, on ne peut pas suivre les yamas et les niyamas tout le temps, mais on peut essayer, et c'est déjà énorme. C'est un peu ma vision de la chose. Quand on s'en imprègne régulièrement, via notamment la pratique du yoga ou nos lectures, tout ce genre de choses, quand on y pense souvent aux yamas et aux niyamas, quand on essaye d'y réfléchir un peu activement, mais ça devient alors plus facile de s'en servir de guide dans la vie de tous les jours. Quand on doit prendre une décision, qu'on hésite entre telle ou telle chose, on peut se dire, est-ce que c'est en ligne avec mes valeurs, ça? Est-ce que si je choisis telle chose, ça va à l'encontre d'un yama? Je vais vous donner un exemple. Ça peut être vraiment quelque chose de tout bête, par exemple. Parfois, je commence à faire du tri dans mes affaires et je me surprends à ne pas vouloir jeter quelque chose parce que, oh, on ne sait jamais. Donc, je sais pas, par exemple, des fringues qui ne me vont plus ou des fringues qui sont d'un style qui n'est plus le mien, ce genre de choses, par exemple. Donc, j'hésite à jeter alors que je ne l'ai pas porté depuis 2004. Et puis, je me rends compte que ça vient d'un sentiment un peu d'insécurité, que je m'agrippe à quelque chose, donc c'est une, ça va à l'encontre de « à Paris gras », je m'agrippe à quelque chose, et que ça m'empêche de vivre dans la simplicité et dans l'ordre, donc le niyama saucha, et que j'arrive pas à me satisfaire de ce que j'ai du reste de mes fringues, et là ça va à l'encontre de santosha, la satisfaction.
Donc, ça veut pas dire que je me flagelle ensuite et que je me dis, ah voilà, Clémence, tu gardes ce pantalon alors que ça va à l'encontre de trois Yamas. C'était vraiment trop nul. Je fais pas ça parce que ça irait du coup à l'encontre de Ahimsa, la non-violence. Mais ça m'aide à comprendre ce qui se passe en moi et ensuite à prendre une décision à partir de là. Donc, je peux décider de garder ce pantalon ou je peux décider de me dire non, là, ce pantalon, il m'apporte rien. Au contraire, il prend de la place, je le mets jamais. Ça rend, enfin, voilà, ça rend mon placard en désordre. Et puis, je ne le garde pas pour une bonne raison, pas pour quelque chose voilà, qui est productif et qui va me faire du bien à long terme. Donc, je vais le jeter. Bon, et je vous rassure, je passe pas un quart d'heure sur chaque fringue, mais c'est l'idée de plus on y pense, plus on essaye de les intégrer, d'avoir cette intention d'intégrer ces yamas et ces niyamas, plus on a la possibilité de comprendre ce qui se passe et de s'en servir pour se guider. Mais du coup, voilà, la chose surtout à garder en tête, qui me semble est la principale en lisant ta question, c'est que le premier yama est celui qui sous-tend tous les autres. Donc ahimsa, la non-violence, c'est vraiment celui vers lequel on peut toujours se retourner. Ça reste important de cultiver de la compassion envers soi-même et de ne pas vouloir être irréprochable 100% du temps. Ce serait ni réaliste ni productif, à mon avis. Donc voilà, gardez ça en tête, ce yama, et que ces yamas et ces niyamas sont donc une intention, une direction, et pas des dogmes absolus qu'il faut suivre 100% du temps, parce que, comme tu dis, on est humain. On est humain, et puis on vit dans une société qui ne nous aide pas à les suivre et à les respecter autant qu'on le voudrait si on le pouvait. Ok, voilà pour cette question. N'hésite pas à rebondir là-dessus. N'hésitez pas à rebondir là-dessus si jamais ça vous inspire quelque chose. Moi, je suis toujours ravie de vous entendre. Et on va passer à la deuxième question qui est aussi assez profonde, l'air de rien. Comment faire quand on veut 10 sur 10 partout, qu'on a beaucoup d'envie et de besoins à combler? Je reprends l'expression d'un de tes podcasts concernant le « vous contentez-vous d'un 7 sur 10 ». Donc vous pouvez, si jamais vous ne voyez pas de quoi ma cliente parle ici, vous pouvez revenir à un des podcasts précédents qui s'intitulait justement « vous contentez-vous d'un 7 sur 10 », il me semble, où je parlais du fait que pour beaucoup d'entre nous, on se complaît un peu dans une vie à 7 sur 10 et on a parfois un peu peur de prendre des décisions, des risques qui pourtant nous assureraient ou nous promettent en tout cas une vie beaucoup plus satisfaisante à 10 sur 10. Voilà. Donc je reprends la question. Je pense que je suis quelqu'un qui veut vivre à 100% tout ce qu'il fait, se donner au mieux dans tous les aspects de la vie, la santé, le sport, le couple, la famille, le travail, les amis, la création, les voyages. Ce n'est pas une envie de performance ou de tout bien faire comme une bonne élève qui me motive, mais l'intuition que les choses ont une saveur véritable lorsqu'on les vit pleinement et qu'on donne le meilleur de nous-mêmes. Mais bon. Il n'y a que 24 heures dans une journée et que 7 heures dans une semaine et personne ne peut tout faire. Des tips pour prioriser. Alors, ce qui m'est venu en premier en tête en lisant la question, c'est un exercice que tu as fait. Donc je m'adresse à ma cliente là, qui m'a posé la question. Un exercice que tu as fait il y a quelques temps, si tu te souviens, sur le... Je crois que j'avais juste appelé le bonheur, en fait. Et je vais partager cet exercice, du coup, avec vous tous dans le podcast aujourd'hui. Donc, c'est un exercice que je n'ai pas inventé, qui me vient du docteur Chatterjee et que j'adore, qui est tout simple. Et je recommande à tout le monde de le faire parce que ça peut vraiment éclairer vos semaines et votre vie en général d'une autre perspective, quoi. Donc, tout simplement, je vais vous poser deux questions et il faut simplement y réfléchir 5 minutes et y répondre. Donc, la première, c'est... Ah, bon, c'est pas vraiment une question, mais c'est une déclaration, voilà. Compléter la déclaration.
J'estime que j'ai passé une bonne semaine lorsqu'elle a inclus ces trois éléments. Donc, quels sont les trois éléments que vous voulez, que vous devez avoir eu dans votre semaine pour que vous, le dimanche soir, vous vous dites, j'ai passé une bonne semaine. Voilà. Pause dramatique et je vais boire une goutte en attendant que vous réfléchissiez. Et puis la deuxième déclaration. Oh, je me rends compte que j'ai pas branché mon casque, pardon. Donc la deuxième déclaration, c'est à la fin de ma vie, j'aimerais avoir réussi si j'ai, pareil, trois choses. Si j'ai fait, si j'ai accompli, si j'ai ce que vous voulez, vous pouvez mettre n'importe quel verbe après. Mais voilà, pensez à la fin de votre vie. Vous avez, disons, 92 ans, vous êtes sur votre lit de mort et vous réfléchissez à votre vie et vous vous dites, j'ai réussi ma vie parce que j'ai ces trois choses. Et donc, ça peut être vraiment n'importe quoi. Donc, je vous invite vraiment, vraiment grandement à noter, je vais peut-être même les noter dans les notes de l'épisode si je m'en souviens quand je l'upload, à noter ces deux questions et à prendre 5-10 minutes juste pour y réfléchir et vraiment, vraiment y réfléchir. Parce qu'ensuite, ça pourra vous indiquer, ok, qu'est-ce qu'il faut que toutes les semaines, je planifie dans mon calendrier, en fait. Qu'est-ce que je dois inclure toutes les semaines, ces trois éléments, ces trois choses, pour m'assurer, en fait, qu'à la fin de la semaine, bah, je sois satisfait de ma semaine et tout va bien. Parce que finalement, notre vie, c'est une moyenne de nos semaines, en fait. Enfin, c'est. Comment dire? On ne vit pas des semaines exceptionnelles, on ne va pas en vacances toutes les semaines, voilà, il ne se passe pas des choses exceptionnelles toutes les semaines. Donc on veut faire en sorte que nos semaines moyennes, normales, aient ces trois éléments pour qu'au final, l'accumulation de toutes ces semaines normales moyennes soit quelque chose de satisfaisant et nous permette à la fin de notre vie de nous dire, bah, en fait, voilà, j'ai eu une bonne vie et ce n'était pas par hasard. C'était pas par hasard parce que j'ai fait en sorte que ces trois éléments, et ça peut être plus évidemment, mais bon, trois éléments c'est déjà pas mal, ces trois éléments se retrouvent toutes les semaines dans ma vie. Et je trouve que c'est important de prendre contrôle de ça aussi. Voilà. Petite piste de réflexion. Alors pour le coup, pour revenir à la question de ma cliente, dans ton cas, je sais que tu avais répondu, entre autres, enfin pas entre autres, tu avais répondu amour, l'aventure et la créativité. Donc il y avait ces trois éléments qui revenaient. Donc est-ce que c'est des choses que tu peux faire passer en priorité, une chose de chacun de ces éléments que tu peux faire passer en priorité toutes les semaines pour t'assurer d'avoir une chose en rapport avec l'amour, donc peut-être un date night avec ton partenaire, je sais plus, l'aventure. Donc est-ce que tu peux faire quelque chose d'un peu différent toutes les semaines, la créativité, est-ce que tu peux dessiner par exemple une soirée toutes les semaines ou t'accorder un moment en tout cas pour faire quelque chose comme ça. Par exemple, voilà, c'est par exemple. Tu peux aussi même faire une liste de tout ce que tu inclus dans chacun de ces éléments et puis faire un système de rotation si tu veux, par exemple, mettre ta famille un soir par semaine, tu vas faire une date night, mais tu vas aussi t'assurer de voir ta famille ou si tu n'as pas le temps de faire les deux, ben, ce sera l'un ou l'autre, bon, bref. Et aussi penser à est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu passes du temps et qui n'entrent pas dans ces catégories? Est-ce que tu peux t'en débarrasser? Bon, si c'est le travail, tout ça, évidemment, c'est plus compliqué. Mais est-ce qu'il y a voilà, des choses que tu fais toutes les semaines et qui te semblent pas si importantes que ça? Donc ça peut être une piste aussi. Voilà, des choses, des pistes de réflexion pour aujourd'hui. Ensuite, la question suivante. Je n'arrive pas à garder mon calme avec mon fils en ce moment. Il faut dire que les crises qu'il a faites vendredi matin ou encore ce matin atteignent des proportions qu'on ne peut plus accepter. On a d'ores et déjà pris rendez-vous avec la psychomotricienne, mais c'est pour moi que je m'inquiète. Je veux bien des conseils pour garder mon calme. Donc,
Déjà, je compatis. Je compatis grandement, même si je n'ai jamais, je n'ai pas d'enfant, donc je pense que je ne peux pas complètement imaginer ce que c'est, clairement. Ce que j'en dirais, c'est que je pense qu'il est important de déjà être bien conscient que c'est normal de péter un boulon. Je pense que on en parle de plus en plus, donc c'est très cool. Mais il y a encore, je pense, un grand sentiment de honte par rapport au fait de perdre sa patience, de péter un boulon, de pas y arriver parfois, en fait, avec ses enfants, surtout quand ils sont très jeunes. Et qui font des crises de colère assez difficiles. Je pense qu'il y a encore un grand sentiment de culpabilité qui est, à mon sens, vraiment infondé. Parce que notre société n'est pas faite pour faciliter la vie aux parents, en fait. On vit souvent loin de notre famille, alors que bah, normalement, à la base, on était censé vivre beaucoup plus en communauté, avec de l'aide de part et d'autre. Et on a très peu d'aide maintenant, on doit bosser à plein temps, on a 12 000 choses à gérer en plus du travail. Les enfants eux-mêmes ne sont pas forcément dans un environnement idéal pour se développer sereinement. Bref, c'est normal. Bref, c'est normal. Voilà. Et là aussi, ahimsa, la non-violence, la compassion envers soi-même, c'est important. Et voilà, il est inutile de se flageller, ça n'aide personne. Ni ton fils, ni toi. Donc je pense que c'est quand même. C'est vraiment ça, ce point-là sur lequel je voulais insister à la base, déjà, de prime abord. Voilà. Ensuite, bon, est-ce que tu as des sas de décompression? Donc on en a un petit peu discuté, mais je vais faire comme si on n'en avait pas discuté et comme si je ne te connaissais pas. Est-ce que tu as des sas de décompression? Quelqu'un de bienveillant, par exemple, avec qui partager ton expérience, avec qui discuter, quelqu'un qui va t'écouter, qui va éventuellement te rassurer ou te proposer son aide. Quelqu'un qui va, voilà, quelqu'un qui avec qui tu peux en parler et pas garder tout ça pour toi ou pas, et aussi en dehors du couple, je pense que ça peut être aussi important. Parce que, bon, évidemment, c'est très très important d'en discuter dans le couple, mais en dehors du couple, c'est aussi important, il me semble. Est-ce que tu as des moments à toi dans la semaine où t'es pas en train de courir, de bosser, de t'occuper des choses à droite à gauche, et où tu peux faire une activité qui te détend, quelle qu'elle soit, quelque chose qui va te permettre de décompresser et de ramener ton système nerveux à un peu d'équilibre. Des moments aussi au quotidien où tu peux faire de l'exercice, parce qu'on sait que c'est tellement important pour ton humeur, ton énergie, et puis ensuite ton bien-être et ta patience, de pouvoir se défouler d'une manière ou d'une autre, que ce soit avec le yoga ou avec des choses plus explosives, ou voilà, des moments en tout cas où tu bouges ton corps, très important aussi pour l'humeur. Et puis dans les moments où ça monte, est-ce que tu as aussi la possibilité de te retirer, de prendre un moment pour respirer? J'en reviens à ce que je disais dans le podcast la semaine dernière, dans le dernier Q&A. C'est assez similaire au moment de crise d'angoisse, en fait, où dans ces moments-là, on est dans le système limbique, donc dans l'émotion brute, forte, et pas dans cette capacité de raisonner et de prendre les meilleures décisions possibles face à ce petit humain qui hurle. Est-ce que du coup, enfin, est-ce que du coup, tu peux utiliser la respiration dans ces moments-là pour enrayer la machine et créer un moment de pause, de distance qui ensuite ouvre à la possibilité de raisonner et à ce que ça n'aille pas trop loin? Voilà, donc prendre un moment. Alors je sais qu'évidemment avec l'enfant qui crie dans les oreilles, est-ce que tu peux changer de pièce ou même sur le coup, juste prendre une grande inspiration, une grande expiration, vraiment juste respirer. Essayer de faire ce que tu peux pour utiliser la respiration pour sortir de cette marmite qui
cette marmite qui quoi? Qui bout, qui monte, qui chauffe, qui... Enfin bref, cette marmite qui est prête à exploser en fait, pour sortir de cet état-là et revenir à un peu plus de réflexion, de raisonnement et de pouvoir voilà, faire baisser la vapeur. J'ai du mal avec mes images aujourd'hui. Ok, donc, en tout cas, c'est pas facile. Je sais que c'est... Enfin, je sais, même si je ne sais pas d'expérience, mais j'imagine très fortement que ce n'est pas facile. Je compatis énormément. Et j'espère que ma réponse aura été un peu utile. Voilà, je te souhaite beaucoup de courage. J'ai une dernière question qui était à la base une boutade, mais à laquelle je vais répondre sérieusement parce que je suis comme ça. Le yoga versus MMA, avantages comparés. Alors, il y a effectivement beaucoup de points communs, en fait. Je vais répondre rapidement. Mais vous connaissez peut-être mon partenaire Liam, qui est très très branché à arts martiaux, qui en fait depuis 20 ans. Et qui va régulièrement faire de la boxe thaï en Thaïlande. Il a testé plein plein d'arts martiaux. Et c'est surprenamment proche dans la philosophie, en fait. Le côté discipline régulière, le côté de cultiver le calme, surtout dans les situations où on perd le contrôle. Alors, je suis désolée, mon voisin fait du bruit à nouveau, mais j'ai presque fini de répondre à cette question. Et de ce podcast en tout, en général. Donc, voilà, de cette idée de cultiver le calme pour pouvoir ensuite appliquer les techniques. Donc, je pense que ce sont deux disciplines qui se complètent très, très bien, notamment parce qu'il faut une certaine souplesse, un contrôle de son corps et de son mental dans les arts martiaux, ce qui peut être nourri par... le yoga, évidemment. Et puis, dans l'autre sens, ça peut faire du bien aussi aux yogis de pratiquer des disciplines peut-être plus explosives et à trouver comment exprimer leur agressivité d'une manière productive. Parce qu'on voit aussi parfois un peu dans le yoga, pas chez moi, n'est-ce pas, mais une toxicité, une positivité toxique, pardon. Il faut être, voilà, il faut être enlightened, sinon. Si on ose se plaindre ou quoi, ça veut dire que on n'est pas, voilà, on n'est pas assez serein, on n'est pas assez yogique. Donc voilà, mais on a tous de l'agressivité en nous et c'est important de savoir aussi comment la gérer pour que ce soit productif et que ce soit assertif et non pas purement agressif. Donc voilà, j'aime bien la combinaison des deux. Après, moi, j'en fais pas du tout, hein, de l'avoir su. Il a essayé de m'en faire faire, mais ça ne marche pas. De toute façon, enseigner quelque chose à son partenaire, ça ne marche pas. Voilà. J'ai essayé avec le yoga, avec lui aussi, ça ne marche pas. Mais c'est... Voilà, je pense que ce sont deux disciplines qui se complètent très bien. Je vais arrêter là parce que mon voisin me tape sur les nerfs. Voilà, j'exprime mon agressivité de manière productive. Et je vais vous laisser là. Je vais vous... remercier pour votre attention et vous encourager à m'envoyer vos questions sur Insta, sur Facebook, par email, ce que vous voulez. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Merci.